Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle de mon expérience en tant qu'hôtesse de caisse chez Carrefour. Donc, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. J'ai mon petit carnet avec mes petites notes. Donc, moi, j'ai déposé mon CV en magasin dans un Carrefour Market. Je l'ai déposé au premier confinement, donc en mars 2020, il me semble. Et j'ai été contactée que en novembre 2020. Donc, j'ai eu un appel deux fois, parce que j'étais déjà en train de faire du babysitting par-ci par-là. Donc, ils m'ont appelé une fois et ils voulaient que le jour même que je me présente dans une heure, donc j'ai dit non. Et ensuite ils m'ont rappelé encore une fois en novembre, toujours pareil, enfin le jour même pour tout de suite après quoi. Donc je leur ai dit non, mais si vous voulez, je peux venir pour un entretien le samedi. Donc du coup, j'ai eu mon entretien du coup le 12 décembre. Donc ils m'ont appelé, oui ils m'ont vraiment appelé fin novembre, donc ils m'ont appelé deux fois, du coup ça a dû décaler le rendez-vous. Donc j'ai été en entretien le samedi 12 décembre, donc c'est un entretien basique. Ils vous demandent du coup de vous présenter, ils vous présentent l'entreprise, ce qu'on sait sur l'entreprise, ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, etc. Ensuite, j'ai eu la réponse le jour même. Donc la responsable caisse avait d'autres entretiens. Mon entretien, j'ai dû le passer vers 10h, 10h30, quelque chose comme ça. Et vu qu'elle avait d'autres entretiens, j'ai dû attendre 17h environ pour qu'elle me rappelle et qu'elle me donne la réponse. Donc à 17h, 17h30, elle m'a appelé pour me dire que j'étais retenue, qu'il fallait donc lui envoyer par mail les documents nécessaires, carte vitale, carte d'identité, etc. RIB. Et j'ai commencé le lundi 14 décembre. Donc c'était un CDD pendant les fêtes, du coup, vu qu'ils étaient en manque d'effectifs, c'était un CDD de 3 semaines. Et à ce moment-là, il y avait le couvre-feu de 20h. Donc ce magasin en particulier, il fermait à 20h30. Et vu qu'on avait le couvre-feu de 20h, on fermait une heure avant. Donc à 19h30, on fermait le magasin. Enfin, on fermait à 19h et nous on partait à 19h30. Donc c'était un CDD non renouvelable. Donc pendant 3 semaines, j'ai travaillé. Donc ça s'est terminé début janvier, mon contrat s'est terminé. Et ils m'ont fait une proposition. Ils m'ont proposé soit d'avoir un contrat en alternance de 1 an, soit il ne me renouvelait pas du tout mon CDD. Donc j'avais besoin de travail à ce moment-là, donc j'ai dit ok, du moment que mes horaires ne changent pas et que mon salaire ne change pas, je veux bien passer 1 an ici avec vous en alternance. Donc ce contrat là, ce nouveau contrat, je l'ai signé le 11 janvier. Et vu que c'était un contrat en alternance, je touchais un peu plus que en CDD. Donc là, en tant qu'alternant, je touchais 1500 euros.
Et mes collègues qui étaient en CDI, eux, touchaient 1200 quelque chose. Donc en tant qu'alternant, vous touchez plus. Après, faut voir. Vu que c'est que un an, le salaire est avantageux. Mais après, vous n'êtes pas sûr d'être gardé. Je vous explique ça après. Mon alternance était pendant un an et vous aviez une fois par semaine, ça dépend, une formation, des cours, entre guillemets, je peux pas trop vous expliquer. En fait, c'est pas comme une alternance où vous êtes à l'école et après vous êtes au travail. Là, ça n'a rien à voir. En fait, vous travaillez pendant un an. J'étais en 36 heures, du coup. En 36 heures 75. Du coup, en fait, je travaille normalement. J'ai mes horaires habituels et une fois par semaine environ. Il y a les bureaux au-dessus. Dans les bureaux, on avait une salle de réunion où une formatrice se déplaçait de 9h à 17h pour nous faire la formation. Du coup, elle nous mettait des diaporamas, elle nous expliquait en quoi consistait ce métier-là pour à la fin avoir un CQP. Donc c'est un espèce de diplôme qui, comment dire, qui valorise votre savoir-faire en tant qu'hôtesse de caisse. Donc après, ça peut être un plus sur votre CV si vous voulez vraiment faire carrière là-dedans. Si vous avez prévu de postuler ailleurs et vraiment être hôtesse de caisse tout le temps, quoi. Vous avez plus de chances d'être rappelé si vous avez ce petit plus sur votre CV. Voilà. Il n'y avait pas de période d'essai pour le contrat en alternance. Vu que c'est un contrat d'un an, vous n'aviez pas de période d'essai. Et pour le CDD 3 semaines, c'était 9 jours. Pendant mes 1 an, ça m'intéressait pas vraiment. Je vous avouerai que la formation m'intéressait pas vraiment, mais je l'ai fait parce que ça me fait une expérience entre guillemets en plus, et puis ça me faisait un salaire, ce qui me motivait le plus, on va dire. Ça me faisait un salaire. Après, niveau avantages, vous n'avez pas du tout les mêmes avantages que ceux qui sont en CDI. En alternance, vous avez là, moi je me considérais qu'au mois de décembre, donc le 14, je suis arrivée, ça faisait un an. Vu que j'ai commencé en 3 semaines, en CDD 3 semaines, donc le 14, du 14 décembre 2020 au 14 décembre 2021, j'ai estimé que ça faisait un an que j'étais là. Sauf que pour eux, vu que j'ai changé de contrat, les 1 an allaient s'arrêter le 11 janvier 2021. Ce qui s'est passé, c'est que il faut 1 an d'ancienneté pour avoir les tickets restaurants, ce que je n'ai pas eu du coup. Après les 1 an, j'ai eu droit à des chèques vacances et des chèques Cadoc. Ensuite, pour la fin d'année, pour Noël, ils vous offrent une bouteille de champagne et une boîte de chocolat. Après, je pense que ça dépend des magasins, mais quand vous avez vous savez, les offres avec les vignettes. Nous, on nous a offert les petits bols Émile Henry. Donc ça, je ne sais pas si ça dépend des magasins ou si c'est dans tous les magasins comme ça. Mais en tout cas, voilà. J'étais en caisse principalement, donc engagée sur 1 an en tant que caissière.
Donc quand je suis arrivée, j'ai une collègue qui m'a formée. Donc déjà pendant les 3 semaines, elle m'a formée. C'est une fois qu'on vous a formé, c'est très simple en fait. Au départ, vous avez pendant, je crois, deux mois. Pendant 2 mois, on vous donne pas du tout d'espèces. Donc vous n'avez pas de caisse, vous encaissez uniquement les chèques et les tickets restaurants. Et vous prenez les clients qui payent en carte bleue. Donc pendant les 2 mois, vous n'avez pas de caisse parce que ça vous fait trop d'informations d'un coup. Vous avez uniquement chèque et carte bleue à votre caisse. Ensuite, on vous crée un identifiant pour pouvoir vous connecter à votre session sur l'ordinateur, donc sur la caisse. Et à ce moment-là, quand vous arrivez, vous entrez votre code. Vous faites votre encaissement et à l'heure où vous arrêtez, vous allez en pause ou vous avez fini votre journée, vous fermez bien votre caisse, donc votre session, et ensuite vous avez plein de papiers à ranger et à mettre ça dans le bureau. Donc dans ce magasin-là, vous pouvez commencer à 8h30 et finir à 20h30 avec une coupure. Et vu que moi j'habitais pas à côté du magasin, je pouvais pas rentrer chez moi en fait. Ça servait à rien de rentrer chez moi, vu que ça me faisait un trajet. Je restais là, vous aviez une salle de pause à l'étage avec micro-ondes, etc. J'avais un casier aussi, donc on vous donne un casier avec un cadenas. Et une fois que vous avez une caisse, on vous donne une clé de caisse aussi. Donc une clé pour ranger votre. Vous avez un espèce de petits casiers dans le bureau principal, et quand le matin vous arrivez, vous prenez votre caisse, vous l'installez à votre emplacement qui vous donne. Par exemple, vous êtes à la caisse numéro 6, vous allez chercher votre caisse dans le bureau, vous vous installez en caisse numéro 6, et puis à la fin de votre service, à chaque fois, vous rangez votre caisse. Vous ne laissez jamais votre caisse à une autre personne en fait. Donc dès que vous n'êtes pas là, vous êtes parti quelque part, vous êtes en pause par exemple, de 10 minutes, vous laissez votre caisse là et personne ne peut y accéder puisque vous avez mis un code. Avec votre identifiant, vous avez un code. Donc voilà pour ça. Principalement, j'étais en caisse. J'ai été un petit peu formée en accueil. Si jamais c'est brouillon, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je réponds toujours. Ensuite, vers la fin, donc un an s'est écoulé, on a eu deux fois, on devait se déplacer à l'AFPA. Donc durant la formation, c'est quand l'examen approche, vous aviez deux sessions, il fallait se déplacer à l'AFPA, donc il vous expliquait comment construire votre dossier, etc. Et à la fin, vous avez un examen à passer. Donc vous recevez un courrier chez vous avec la date à laquelle vous devez vous présenter à l'AFPA pour passer un oral et présenter votre dossier. Donc moi, je ne l'ai pas fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout d'abord, vous aviez une sorte de préavis. Donc à l'approche de la fin de votre contrat en alternance, le directeur est censé vous prévenir 2 mois à l'avance. Donc, soit il vous garde en CDI, soit il ne vous garde pas. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû aller solliciter le directeur pour lui demander si il comptait me garder en CDI ou pas. Et à ce moment-là, il m'a répondu que oui, il voulait me garder en CDI, mais ça allait être en rayon, parce qu'il ne proposait pas de CDI en caisse. Du coup, je me suis dit d'accord, pourquoi pas. J'ai pas vraiment été en rayon. J'étais en rayon quand il s'agissait de ranger la marchandise. Par exemple, un client vous prend, je sais pas moi, un sachet de pâtes et à chaque fois, si tous les clients font ça, en fait, vous avez de la marchandise qui s'accumule en caisse. Et quand vous avez un peu de temps et que vous n'avez personne, vous pouvez aller ranger cette marchandise dans le rayon correspondant. Donc ça, je lui ai dit du coup, d'accord, pourquoi pas, si c'est un CDI en rayon, je veux bien essayer. Donc,
Mon contrat s'arrêtait le 10 janvier. Et puisqu'il m'a dit qu'il allait me garder en CDI, je faisais pas attention à la date. Donc, la dernière semaine, pendant 4 jours, on m'a mis en rayon. Sauf que le 10, le jour même où mon contrat s'arrêtait, était censé s'arrêter selon lui, et ben il me l'a dit le jour même en fait. Il m'a dit le 10, aujourd'hui c'est votre. Là, imaginons, on est le 10, il m'a dit aujourd'hui c'est votre dernier jour. Il faut que vous rendiez votre uniforme, on vous garde pas. Donc moi, du coup, j'ai pas eu le temps de trouver ailleurs, j'ai pas eu le temps de chercher ailleurs, puisque il y a 2 mois, on m'a dit qu'on allait me garder en CDI, en rayon, et en 4 jours, j'avais pas le temps de m'adapter à la vitesse à laquelle mes collègues étaient habitués, puisque alors, on m'a mis dans le rayon épicerie, le rayon le plus compliqué, avec beaucoup de sauces différentes, des pâtes différentes. Donc, quand on ne connaît pas, on met beaucoup plus de temps à se repérer, à trouver le produit, etc. Selon lui, il allait me garder jusqu'au 14, mais au final, en fait, il me l'a fait à l'envers. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Pendant ces 4 jours où j'étais en rayon, on m'a prêté des chaussures de sécurité. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes en rayon, vous avez des chaussures de sécurité et une tenue normalement. Et quand vous êtes en caisse, bah, vous vous habillez comme vous voulez en fait. Il n'y a pas de contrainte. Si vous voulez vous mettre en robe en été, vous vous mettez en robe. La responsable ne voulait pas qu'on se mette en jogging ou en short trop court. Donc ça se comprend. Jogging, je sais pas trop, mais short trop court, c'est normal. On n'est pas là pour montrer ses fesses. Donc c'est logique. Donc quand je suis arrivée en CDD, on m'a prêté une veste qui ressemblait un peu à un blazer. Que vous voyez dans la miniature, une autre veste polaire rouge que je vous mettrai là, et j'avais une autre veste sans manches, donc ça c'était pour l'été. La veste blazer c'était mi-saison, la polaire c'était pour l'hiver, et la petite veste sans manches c'était pour l'été. Donc j'avais ça uniquement, et c'est tout pour l'uniforme. Donc mon contrat, j'étais en 36h45 et mes jours de repos pendant mon entretien, c'était le samedi après-midi. C'était convenu comme ça, le samedi après-midi et le dimanche. Et un jour dans la semaine. En fait, vous avez 2 jours de repos. En général, moi, c'était jeudi et dimanche, ou sinon le mardi et dimanche. Donc généralement votre planning il est réparti. Vous faites 2 jours complets. Donc imaginons vous faites 8h30, 20h30 avec une pause repas entre les deux. 1 heure, 1h30 de pause repas. Donc 2 jours par semaine vous faites des journées complètes et le reste de la semaine ce sera des demi-journées. Il faut savoir que j'ai eu des différends avec ce directeur aussi. Puisque pendant mon entretien, on m'avait dit que j'aurais mon après-midi le samedi. Donc en fait, quand vous travaillez toute la semaine, le samedi ma vous travaillez uniquement le samedi matin et le samedi après-midi, vous avez votre journée. Vous avez votre après-midi quoi. Parce que le week-end, vous avez les étudiants qui sont en CDI. Donc c'était convenu comme ça. Sauf que, au bout d'un moment, il manquait d'étudiants. Donc du coup on m'a pas demandé mon avis. Un jour sur mon planning, j'ai vu que je travaillais le samedi après-midi. Donc vu que c'était qu'une fois, je n'ai rien dit. Après, je vois que ça s'accumule. Tous les samedis après-midi, je me retrouve à faire 14h, 19h par exemple, alors que je travaille toute la semaine. Donc ça, ce n'était pas normal. Du coup, je suis allée voir mon directeur. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit pourquoi, comment ça se fait que je travaille les samedis après-midi.
Et là, il m'explique qu'en fait, ils sont en manque d'effectifs. Donc, le temps de trouver des étudiants, on me mettait les samedis après-midi. Sauf que cette histoire a duré pendant au moins 3 mois pour que je puisse récupérer mes horaires habituels. Donc, pour que je puisse garder mon samedi après-midi et travailler le samedi matin. Et c'était toute une histoire. Donc, vu que monsieur le directeur ne voulait pas mon avis, vu que c'est censé m'arranger, je suis passée par une de mes collègues qui travaillait pour le syndicat pour récupérer mes samedis après-midi. Donc, déjà, d'une, c'était assez compliqué dans ce magasin-là. Franchement, l'ambiance entre collègues, il n'y a pas de souci. Tout allait bien. C'est juste que pendant un moment, le directeur, en fait, ce qui a fait que on a eu des mauvais rapports ensuite, c'était que un jour, il m'appelle le matin où je suis censée être de repos. Donc le jour de repos, normalement, vous n'êtes pas censé vous déplacer en magasin parce que c'est votre jour de repos, en fait. Il n'a pas le droit de vous faire venir. Sauf qu'un matin, un jeudi matin, j'étais de repos, je dormais. Il m'appelle, il me dit, oui, vous êtes censé être en formation à 9h et vous n'êtes pas là. Du coup, moi, je ne comprenais pas. Sur mon planning, c'est noté que j'étais en repos. Donc, je lui explique, oui, je ne peux pas venir aujourd'hui parce que je suis en repos. Et en plus, je devais emmener ma voiture au garage. Donc, je lui explique. Et lui, en fait, il n'en avait rien à faire. Il me dit, non, bah vous vous débrouillez, vous venez quand même. Donc moi je trouve ça bizarre, je lui dis mais je fais comment? Ma voiture elle doit aller au garage, j'habite pas à côté, je fais comment? Il me dit vous vous débrouillez, vous prenez les transports, le bus, je m'en fiche, vous vous débrouillez, vous venez. Donc déjà c'est très bizarre, normalement c'est si vous allez voir le syndicat, c'est illégal de faire ça. Donc moi du coup je me déplace. Je lui dis, par contre, vous m'appelez là à 8h, moi je ne peux pas être là à 9h en fait. Vous m'appelez à 8h30 pour être là à 9h. J'habite pas à côté, donc ce ne sera pas possible. Je ne sais pas à quelle heure je serai là, peut-être vers 10h, 10h30. Je lui explique. Donc après je me déplace, vu qu'il insistait vraiment. Il me disait que le premier jour était très important, il fallait être là, machin, machin. Donc je me déplace et... Donc j'assiste à la formation, etc. Et à ma pause déjeuner, je vais le voir. Je lui dis, par contre, maintenant que je suis là, c'est mon jour de repos. Vous êtes censé me donner 2 jours de repos dans la semaine. Là, je vais avoir que mon dimanche comme repos. Il me faut un autre jour de repos. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ah non, mais vous en faites pas, vous allez avoir un autre jour de repos. Au départ, c'est pas ce qu'il m'a dit. Au départ, il m'a dit, non, justement, oui, c'est pour se débarrasser entre guillemets de moi. Il m'a dit, ah, mais vous en faites pas, vous aurez un autre jour de repos. Donc moi, j'attends, je vais le voir à la fin de la journée. Je lui ai dit, alors quel jour vous me donnez? Parce qu'il faut que j'emmène ma voiture au garage. La voiture a un problème. Si ça tombe en panne, je pourrais pas être au travail en fait. Donc il me dit, oui, bah. Vous pouvez venir en transport, au pire des cas, machin, machin. Donc je lui explique que de chez moi, il n'y a pas de transport à l'heure à laquelle je commence. Et c'est assez compliqué, etc. Et je lui dis, si ma voiture tombe en panne, dans tous les cas, je ne viendrai pas. Donc après, je me bats pour avoir un deuxième jour de repos. Et j'ai finalement réussi à avoir mon jour de repos. Mais ce qui n'est pas normal, en fait, c'est... de vous faire venir le jour où vous êtes censé être de repos et ne pas rattraper, vous proposer un autre jour de repos vu que vous êtes censé être en 36h45 et pas faire des heures en plus. Parce que à chaque fois que vous assistez à vos formations, il faut savoir que vous êtes rémunéré. Mais après, vous enchaînez directement le travail, quoi. Donc, par rapport à ça, du coup, on s'est pris la tête. Et depuis, il ne pouvait plus me voir. Donc, pour, entre guillemets, m'embêter,
prendre sa revanche. C'est pour cette raison-là qu'il m'a mis tous les samedis après-midi à travailler à la place des étudiants. Donc je me tapais tous les samedis après-midi pendant 3 mois parce qu'on a eu un problème. Donc ça venait de lui, évidemment, le problème, parce que il n'a pas me faire déplacer le jour de repos. Parce que s'il m'arrive quelque chose, bah en fait c'est leur problème. Vu que je suis censée être chez moi ce jour-là, quand il y a écrit repos sur le planning, vous n'êtes pas censé être sur votre lieu de travail. Si vous arrive quelque chose, bah c'est eux les responsables. Donc voilà, par rapport à ça, on a eu un peu comment dire, on s'entendait pas du tout avec le directeur. Et ensuite, je suis partie en vacances parce que je savais pas que j'avais droit à des vacances. Heureusement d'ailleurs, parce que j'étais vraiment fatiguée. J'ai eu droit à 2 semaines de vacances. Donc je suis partie en fin mai, début juin, parce qu'ils ne pouvaient pas me donner des vacances en été. Faut savoir que les anciens et les personnes qui ont des enfants sont prioritaires par rapport à vous. Donc si vous demandez des vacances en été et que bah, d'autres personnes ont demandé les mêmes dates, c'est les personnes qui ont des enfants qui vont être prioritaires. Voilà. Donc après, une fois que je suis revenue de mes vacances, là, bizarrement, le comportement du directeur avait changé. Et ça m'a fait du bien, les vacances, je peux vous dire. Donc ensuite, pour finir avec ces 1 an, je peux vous dire que je pense pas aller travailler dans... Après, je sais pas, cette enseigne, mais dans ce magasin-là, j'y retournerai plus jamais, vu comment ils m'ont jeté. Franchement, c'était pas du tout professionnel en fait. Parce que ils vous font. Enfin, ce directeur-là, en tout cas, m'a fait espérer, m'a dit que j'avais pas besoin de chercher ailleurs, qu'ils allaient me garder en CDI pour au final me jeter comme une merde, faut le dire. Me jeter comme une malpropre. Donc je n'irai pas travailler pour cette enseigne. Enfin, je sais pas, après, pour l'instant je suis bien là où je suis. Donc faut savoir qu'en fait, quand ils font des contrats en alternance, si on passe l'examen, l'État leur verse de l'argent. Donc pour vous expliquer, j'ai reçu ma convocation de l'AFPA. Et je ne me suis pas présentée parce que j'avais trouvé un autre travail à la date à laquelle j'étais convoquée. Et puis, vu comment ils m'ont dégagée de là où je travaillais, de Carrefour, bah, j'avais pas spécialement envie de me présenter pour faire un oral, etc. Donc, je ne me suis pas présentée. Et quand vous passez pas l'examen, l'entreprise ne touche pas l'argent de l'État, d'après ce que j'ai compris. Donc ensuite, vu que le jour même, il m'a dit que c'était mon dernier jour, je lui ai demandé comment je faisais pour avoir mon solde tout compte. Parce que dans les autres entreprises où j'ai travaillé, le solde tout compte, on vous le donne votre dernier jour. Ils vous font signer un papier. Soit ils vous donnent un chèque. En général, c'est un chèque pour le solde tout compte. Sauf que là, il n'y avait rien. Il m'a dit non. Pôle emploi, vous n'avez pas besoin du papier tout de suite, ça prend des mois, de toute façon, vous allez devoir attendre. Rappelez-moi d'ici 3 semaines. Donc, moi, je les rappelle pour savoir où est-ce que ça en est. Et en fait, ils avaient tout fait informatiquement. Ils ont envoyé le document directement à Pôle emploi. Et mon solde tout compte a été versé le 20 janvier. Sur mon compte avec bah, du coup rien à signer, ce que je trouvais bizarre. Et ma fiche de paye a été envoyée par courrier recommandé. Voilà. Et donc à la fin, une fois que vous avez reçu votre solde tout compte, en tout cas moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé enfin la veste que je portais, je l'ai gardée pour pouvoir la laver et la rendre
une fois que j'aurai touché mon solde tout compte en fait. Et le reste des affaires étaient déjà propres, donc je les ai rendues le 10 janvier. Voilà, donc après ça c'est mon expérience. Pour être honnête, Carrefour, c'est une bonne enseigne en vrai. En vrai, c'est une bonne enseigne. Vous avez des avantages, mais ça dépend. Les avantages, ça dépend parce qu'il faut un an d'ancienneté. Déjà, j'ai une collègue qui était en CDD pendant un an et c'est après qu'on lui a proposé un CDI. Donc, c'est bizarre. Par rapport aux autres emplois où j'ai travaillé, je trouve ça très bizarre. Contrairement aux CDI étudiants, les CDI qui sont en temps complet, c'est assez compliqué à avoir chez eux en tout cas. Voilà, en caisse, ils proposaient que des CDD et à chaque fois, ils reprenaient des nouvelles personnes. Alors que moi, j'ai été formée pendant un an et ils m'ont dégagée pour reprendre d'autres personnes à former. Donc, il n'y a pas de logique dans tout ça, mais bon, après, chaque magasin fonctionne comme il le souhaite. Donc, voilà, après, faut. En tout cas, dans ce magasin-là où j'étais, il faut se méfier du directeur. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Elle vous aura peut-être aidé à chercher du travail dans cette enseigne. Donc, faut savoir que moi, c'était pas un franchisé, c'était un Carrefour Market normal. Peut-être qu'en hypermarché, ça se passe pas du tout comme ça. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Posez-moi toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!